Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un footballeur talentueux, reconnu pour être un des meilleurs joueurs de la génération 99 et passé par plusieurs centres de formation. Bilal Mehadji a connu une véritable descente aux enfers. Aujourd'hui joueur à la CMA de Bervilliers, il remonte la pente. Découvrons ensemble son histoire. Bilal, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Bilal Mehadji. J'ai 24 ans. Je suis originaire de Tubois. Et je suis actuellement au FCMA. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as commencé le foot? Dans quel club? J'ai commencé mon école de foot à Tubois. Puis après, en U11, je suis parti au FC Montfermeil jusqu'à mes U15. Puis après, j'ai signé un contrat, une convention plutôt à la Birchen de Châteauroux. Alors revenons au moment où tu étais à Montfermeil. Comment tu te fais repérer, on va dire, par la Birchen de Châteauroux et comment tu signes là-bas? Et j'ai appris que tu es resté là-bas que un an. Comment ça se fait? À l'époque, j'étais en U15 DH à Montfermeil. J'ai fait une belle saison. En termes de statistiques, etc., j'étais dans les normes, on va dire. Puis après, je suis parti à la Birchen de Châteauroux un an. Voilà, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que ça n'a pas marché entre le club et moi. Donc j'ai décidé de quitter le club à la fin de l'année pour revenir sur Paris, à la JA Drancy. Je reviens en région parisienne, à la GIA Drancy, qui est un très bon club, qui est réputé pour sa formation. Comment ça s'est fait? Comment tu sais là-bas? À l'époque, c'était mon ancien coach, Flavien Binon, il m'a contacté pour faire un entraînement avec les internationaux. Du coup, je voulais formation d'entraînement. Il me dit que j'allais être en essai pendant une semaine. Et au final, je suis mis au bout d'une demi-journée. Ah ouais. Pareil, journée. Ouais. D'accord. Une saison à ça. Et là-bas, tout se passe bien. On commence à entendre ton nom partout. Bilal Mehadji, Bilal Mehadji. Tu tapes dans l'œil des recruteurs de Rennes. Tu signes au stade rennais. J'imagine que tu étais heureux. Et est-ce qu'il y avait d'autres clubs sur toi à cette époque-là? Parce que comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de toi, moi bien. C'était entre 5 à 10 clubs qui voulaient que je signe chez eux. Mais après, voilà, moi, j'ai plus fait un choix sur le long terme. Donc, je suis pas parti en essai dans tous les clubs, mais j'en ai choisi 3. J'étais parti au Stade Rennais, à Bordeaux. Et je devais aussi aller à Saint-Etienne, mais finalement je suis pas allé à Saint-Etienne parce que juste avant j'étais parti au Stade Rennais et ça s'était très bien passé. Et ça a joué, ça a fait la différence sur la conversation que j'ai eue avec les coachs quand on était là-bas. L'importance que j'avais l'impression qu'ils voulaient me donner pour que je signe là-bas, tu vois. Et au final, mon choix, il a été radical. Donc, j'ai choisi de dire pour le Stade Rennais sans trop réfléchir. Ouais. J'ai choisi le Stade Rennais. Tout se passe bien. T'enchaînes les bonnes performances. T'es même sélectionné en équipe de France I-18, I-19, si je ne me trompe pas. Tu fais quelques entraînements avec les pros. Déjà, parle-nous de ta première sélection d'équipe de France. Parce que ça fait un moment, je pense, c'est inoubliable pour toi. Comment voilà, t'as joué avec quel joueur en équipe de France aussi? Voilà, parle-nous de l'ambiance du groupe. Une fois que j'arrive au club, j'ai mon petit temps d'adaptation. Donc après 2 mois d'adaptation, j'enchaîne des bonnes performances. Je suis, je crois, si je ne me trompe pas, meilleur buteur du club, voire deuxième meilleur buteur du club avec 25 buts. Ah ouais, quand même. Ouais, j'avais marqué beaucoup de buts à cette époque-là. Et ensuite, j'avais commencé à jouer avec la CFA. À l'époque, c'était la CFA et non N2, tu vois. Donc, on finit champion
de N2, j'avais fait une dizaine de matchs. J'ai marqué d'autres 2-3 buts avec cette génération-là. Et un jour, on m'appelle pour me dire que je suis sélectionné en équipe de France, U18, avec la première fois. Donc après, une fois arrivé en équipe de France, il y a autre chose. Tu arrives avec les meilleurs joueurs de France, tu vois. À cette époque-là, la plupart des joueurs, ils étaient tous professionnels. Et moi, j'étais l'un des seuls à ne pas être professionnel. Et je peux te citer des exemples. Par exemple, il y avait Moubacary Soumaré, qui aujourd'hui est à Leicester. Matteo Guendouzi, aujourd'hui il est à l'Olympique de Marseille. Moubacar Camara, qui aujourd'hui est à Aston Villa, Moussa Djabi, au Bayern Leverkusen. Il y avait des grands noms, hein. Il y avait des très très bons noms. Et voilà, on t'enchaîne les bonnes performances. Tu joues en équipe de France par 8-19. Et là, tu arrives sur ta dernière année de contrat. Tu n'es pas conservé, à la grande surprise de tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet épisode-là? Et je pense que aussi psychologiquement, ça devait être quelque chose d'assez dur pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons de ta séparation avec le Stade Rennais? Honnêtement, c'est dû à plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que j'étais arrivé à pas à la fin de mon cycle, mais voilà, j'ai loupé des marches sur le travail, sur la concentration, sur le fait, sur tous les aspects qui font qu'aujourd'hui tu dois être professionnel pour pouvoir jouer au plus haut niveau, tu vois. Après, j'étais peut-être immature, mais après voilà, c'est avec ces choses-là qu'on apprend. Et quand j'apprends que je suis pas concerné au Stade Rennais, au début c'est dur, tu vois. C'est toujours dur d'entendre des mauvaises choses, tu vois. Mais il fallait rebondir vite. Même si j'ai pris du temps à rebondir, tu vois, il n'y avait pas le choix. Donc je suis rentré sur Paris. Et au début c'était très 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 compliqué. Parce que je reviens chez mes parents. J'étais encore blessé en plus à ce moment-là. Et il fallait tout de suite retrouver un nouveau projet pour continuer à être dans le bain. Mais voilà, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que je me soigne intérieurement, on va dire. Donc, j'ai retrouvé un club 5 mois après, avoir quitté le Stade Rennais. Ça veut dire pendant 5 mois, tu étais sans club? Ouais, sans club. Je m'entraînais tout seul, dehors et tout. Je partais courir au bois et tout, mais ouais. Mais c'est pas évident parce que tu te retrouves à quelques mois auparavant, t'enchaînes des bonnes performances, t'es en équipe de France, du jour au lendemain, tu dois retrouver un projet, t'as du mal à rebondir. Psychologiquement, c'est comment? Est-ce que tu cogites pas? Voilà. Je vais pas te mentir, j'étais pas totalement en dépression, mais j'avais ce truc-là qui faisait que j'étais vraiment pas bien. Parce que j'étais chez mes parents. Les parents me demandaient toujours comment c'est le foot. Parce que mes parents connaissent pratiquement quasi rien au football, tu vois. Moi, je ne savais pas quoi leur répondre. Je leur disais, vous inquiétez pas et tout. Mais au fond de moi, tu vois, c'était un mensonge, tu vois. Mais c'était pour le bien de mes parents, tu vois. Donc, j'avais cette mini-dépression-là. Qui a fait que je devais me reconstruire rapidement et rentrer dans la vie active sans rester sur mon sort, tu vois, sans attendre qu'une seule me tombe sur la tête. Tu as réussi à encaisser ce choc-là, mais tu as compris que ça faisait partie du foot, quoi, malheureusement. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui sont au centre de formation? Parce que voilà, tu as connu des hauts et des bas pendant ta carrière et je pense que tu as un message à leur transmettre. Si j'ai un conseil à donner, ou des conseils à donner, c'est d'abord toujours travailler plus que les autres, être sérieux. Tu as vu des choses simples de la vie, hein, dormir tôt, manger bien. Toi, on peut, dans nos têtes, on peut dire que c'est rien, mais je te jure, à la longue, sur une saison, même sur 2 mois, tu le ressens directement, l'effet de ne pas avoir dormi, pas avoir bien mangé, tu vois. Donc, tu travailles plus que les autres, rester sérieux, travailler bien à l'école et
ne pas se focaliser que sur le foot, parce que t'as vu, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tu peux te prendre un mur sans que tu le chasses. Donc ouais, faut toujours avoir une deuxième branche au cas où. Merci beaucoup pour ces conseils, Biel. J'espère que ce sera profitable, en tout cas, à tous les jeunes qui sont en centre de formation. Je t'avais fait une promesse. Hein? Je t'avais parlé de mon livre. Et une promesse, c'est une dette. Du coup, je me devais de te l'offrir. Je te l'offre. Je t'ai fait une belle dédicace. Ah, j'avoue. J'espère que tu vas lire et tu kifferas, en tout cas. Merci beaucoup. Vas-y. Du coup, tu es sans club pendant un moment. Est-ce qu'il n'y a pas des clubs qui t'ont contacté, des agents? Parce que quand même, tu as fait des bonnes performances avec Rennes, tu as joué une équipe de France. 5 mois sans club, ça me paraît énorme. Mmh. Voilà, comment ça s'est passé? Pendant l'été, à mon retour, par l'impied d'intermédiaire, je suis parti en Espagne. Je suis parti en Espagne une semaine dans un club de 3e division. Mais j'ai pas du tout accroché, tu vois. C'était pas mon élément, c'était pas ce que je voulais. Donc au final, voilà, ça m'a pas plu. Donc je suis revenu en France pour signer au FC 93. Comment ça se passe? Est-ce que tu as du temps de jeu? T'es correct? Quand j'arrive, tu vois, j'avais pas fait de prépa comme tous les autres, tu vois. Donc j'avais du retard physiquement. Mais après, trois semaines après, je fais mon premier groupe, tu vois, contre le SC Bastia, tu vois, qui maintenant sont en Ligue 2. Donc j'ai joué une trentaine de minutes et j'avais fait un très bon match. Donc j'avais commencé à reprendre mon petit chemin, tu vois. Mais quelques jours après, je m'étais blessé. Je m'étais blessé pour une longue durée. Et dû à ça, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû me soigner. Après, il y a eu le Covid. Donc en soi, c'était une saison quasiment blanche. J'ai dû faire un ou deux matchs. Et l'année d'après, c'était un peu mieux. Mais en termes de temps de jeu, etc., je n'ai pas eu ce que je voulais. Et voilà, après, je pense que c'est plus les choix du coach qui ont fait que je n'ai pas joué. Et le joueur le plus fort contre qui t'as joué? Que ce soit à l'entraînement ou en match, le plus... Voilà, tu sens que... Non, ce mec-là, il va aller loin dans le foot. Bah, il y en a plusieurs, mais je vais t'en citer 2-3. Le premier, Rafin Dutagne. Il est aujourd'hui au stade de Reims. Après, il y a Camavinga. Eduardo Camavinga, qui est aujourd'hui au Real Madrid. Et je vais t'en citer un dernier, c'est Boubacar Camara, qui est aujourd'hui à Aston Villa. Et vraiment, c'est les trois que j'ai en tête déjà et qui sont très, très, très talentueux. Je vais te poser une question qui sort un peu du cadre de cette interview. C'est maintenant qu'on se connaît assez bien, tu es de confession musulmane. Et je voulais savoir si tu as toujours été comme ça ou bien, on va dire, ça fait suite à tes mésaventures dans le monde du foot, tu as une remise en question. Parle-nous un peu de ça. Le fait que je sois dans cette dépression, tu vois, on va dire, le fait que je sois revenu chez mes parents et tout, ça m'a permis de me reconcentrer sur les bases, vraiment, sur le plus important, parce que le football en soi, c'est qu'un temps, tu vois, le plus important. Et ça m'a permis de... Oui, c'est là où j'ai commencé à aimer la lecture, tu vois. C'est le fait d'être resté chez moi et d'avoir mis le plus important en avant, tu vois. Par exemple, ouais, la religion, pour moi, ça passe avant tout maintenant. Mais ça, c'était que depuis que je suis revenu de Rennes, tu vois. Sinon, auparavant, tu vois, j'étais toujours dans cette insouciance, dans le fait de dire on a le temps, mais au final, t'as pas le temps. Regarde, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà 24 ans. Les 6 ans en arrière, je les ai pas vus passer. Et alhamdoulilah, tu vois, aujourd'hui, franchement, on fait du mieux qu'on peut, on essaye de s'améliorer de jour en jour. Parce qu'il y a que ça de vrai, tu vois. C'est très bien, et moi, je t'encourage dans cette démarche-là. Et... J'ai un autre cadeau pour toi. Et tu me régales de cadeau. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la lecture aussi.
J'ai lu un livre, j'en suis sûr qu'il va t'intéresser. Je vais te le passer. Nomme la sirah du prophète expliquée aux jeunes. Du coup, voilà, tu me feras un retour. Et j'espère que tu vas kiffer en tout cas ton deuxième cadeau. Je te check là, je te fais un câlin, je te fais un câlin. Merci, mon frère. Ensemble. C'est gentil, merci beaucoup. Où actuellement, comme tu me disais, tu es à la CMA de Berbilier. Ça se passe très bien, tu enchaînes les bonnes performances. Voilà, tu es en train de remonter la pente. Parle-nous de cette magnifique saison, parce que là où vous êtes, vous jouez la montée actuellement. Parle-nous de l'ambiance, voilà, vous avez fait un très beau parcours de France. Parle-nous de tout ça. Ouais, bah, cette année, c'est une année spéciale, tu vois. Il y a une belle épopée en Coupe de France où on a sorti une Ligue 2, bah, une Nationale 2, tu vois. On a sorti une Ligue 2 qui est gueule Rouen. Puis après, on est parti à La Réunion. On a fait notre match, notre 128e tour, je pense, là-bas. On est parti 10 jours à La Réunion, ça veut dire que tu sors du cadre de Paris, du travail, de la ville de Paris. Donc, ouais, là-bas, beau paysage. Le soleil, 30 degrés. Et après, voilà, ça s'est pas passé comme, comme on voulait. On a perdu là-bas. Mais ouais, après, au retour de la Réunion, il y a eu une nouvelle alchimie entre nous, entre coéquipiers, qui a fait qu'aujourd'hui, on voulait remonter en National 2. Et que, ouais, c'est une finale. Hein. Une finale à domicile. Et j'espère que ça va être concluant pour moi. J'espère. Maintenant, t'es papa? Je pense que ça change beaucoup de choses dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous confirmer ça aussi? Ouais, bah ouais, maintenant je suis papa, mon fils il a maintenant 1 an. Après je me retrouve, t'es obligé à te retrouver à aller travailler parce qu'il n'y a pas le choix. Et maintenant je te rends compte de la vie, de la réalité de la vie, tu vois. Et tu te rends compte qu'il y a plus important que le football. Et voilà, aujourd'hui j'essaie de donner le maximum pour ma petite famille et j'espère que je vais continuer à faire mon petit bonhomme de chemin et avancer au jour le jour. On a un dernier cadeau à te faire. C'était pas, c'était gâté, hein? Là, tu m'as gâté, là, ça y est. Tu sais, notre partenaire Rana, qui nous offre tout le temps des chaussettes de performance à tous nos intervenants. Du coup, je vais te passer la paire de chaussettes. J'espère que tu vas prendre soin et que tu vas l'utiliser pour le match de la montée, là. Merci. Ah ouais. Moi, si tu viens voir, tu vas voir, j'ai des alopies. Bilal, on se retrouve quelques jours après ce match décisif contre Maritime pour la montée. Et voilà, t'as mis un doublé. Comment tu te sens après cet événement-là? Bah, content déjà. Content pour le club, la ville, ma famille, mes amis proches surtout. Et ouais, 2 années de travail au Bervilliers et ça a payé par une montée. Et je pense que ça peut que faire du bien au moral et pour la suite surtout. C'est un peu comme une revanche parce que voilà, tu as galéré pendant tes 2 petites années. Et là, tu permets à ton club, bien sûr, grâce aussi à tes coéquipiers, mais tu mets 2 buts décisifs lors de, voilà, de ce match qui était comme une finale pour vous. Et ouais, je pense que tu dois être quand même fier de cette année que tu as fait à Mégoré. Ouais, bah, grosse saison. Pas la meilleure que j'ai pu faire, mais comme t'as dit, je reviens de loin quand même. Et ouais, finir sur une grosse note comme ça, doublé. Peut se la monter et franchement c'est une... je sais même pas comment t'expliquer mais t'as vu ça fait du bien, ça fait plaisir
Et franchement, j'espère que ça va continuer. Il y aura de meilleures saisons encore. Du coup, Bilal, tu as fait une très très belle saison avec la CMA de Bervilliers. Quels sont tes plans? Mon objectif, c'est de continuer à performer avec Aubervilliers pour continuer à m'améliorer et à régler mes manques. Mais sinon, ouais, je pense qu'on repart pour une troisième année, en N2 maintenant. Et voilà, on va continuer à travailler, à être sérieux, pour pouvoir exploiter mes qualités et surtout mon mental. Ah, c'est vrai que c'est une suite logique, hein. Tu montes en N2 et je pense que c'est un choix qui est vraiment réfléchi de poursuivre une troisième saison à la CMA de Bervilliers. Et Bilal, pour terminer cet épisode, une question qu'on pose à nos intervenants à chaque fois, quelle est la personne que tu aimerais voir dans nos prochains épisodes de Inspire to Achieve? J'ai une bonne personne pour toi. Sérieusement? Ousmane Sidibé, alias Piccolo. Ancien joueur professionnel, Paris FC, Béziers. Franchement, tu vas kiffer. Là, maintenant, il est coach adjoint à Aubervilliers. C'est mon coach adjoint, toi. Donc, franchement, si tu veux aller toquer à sa porte, n'hésite même pas. Beau personnage. Bah, avec grand plaisir, Ousmane Sidibé. Bilal, aimerait te voir dans un prochain épisode. On viendra te voir si tu es d'accord et on fera ça avec grand plaisir. Bilal, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi. On sait que lui, j'ai bonheur. Voilà. Merci à toi, j'espère que toi aussi. Que ton parcours il va être rempli de bonheur, de réussite, de belles rencontres aussi. Et j'espère que ça va monter petit à petit. Merci. Bilal, c'est assez simple, hein. C'est un garçon intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui a une autodétermination depuis tout petit. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits par rapport au niveau auquel il joue. Et c'est un garçon qui a toujours su savoir ce qu'il voulait et qui a toujours fait un peu ce qui lui semblait être bon pour lui et qui a été maître de ses décisions et de ses actes. Donc c'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, il est proche de nous. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter sur Bilal? Ouais, il y en a plusieurs. Bon, après, il y en a une qui est marquante, c'est celle où je vais le voir quand je le vois jouer au quartier quand il était tout petit. On devait avoir peut-être 8 ans, 9 ans. Je le vois jouer au quartier et puis je lui dis viens t'inscrire au football et il me dit non. Et ensuite, j'insiste pour qu'il vienne et puis je me déplace jusqu'à chez lui et quand il me voit chez lui, il est surpris. Donc après, on a pu faire son inscription au club de football à Clichy-sous-Bois.